tous. Nous sommes là dans le cadre du concours Entreprises Nouvelle Vague. Alors, ce concours Entreprises Nouvelle Vague est destiné à récompenser les trois entreprises qui représentent en tout cas l'idée de ce concours, de ce salon, qui va récompenser donc l'entreprise qui va avoir un prix sur le développement durable, un autre prix qui sera remis pour l'entreprise sur les nouveautés du littoral, et puis le gagnant qui correspond tout à fait à la protection du littoral et aux actions qui sont faites dans son activité propre, qu'on aura le plaisir en tout cas de récompenser tout à l'heure. On procède rapidement donc à la remise du troisième prix, à la mention spéciale développement durable, qui est attribuée à Esterel Caravanil. Alors, il s'agit de Aurore Laroche, à qui je laisse la parole pour présenter très brièvement son activité. Bonjour, merci beaucoup. Notre engagement existe depuis plus de 35 ans. Nous avons décidé pour ce concours de présenter notre compensation carbone. C'est-à-dire que tous les clients qui viennent à Esterel Caravanil, camping sur Saint-Raphaël, nous compensons leur carbone. Nous calculons leur trajet avec leur voiture et nous plantons des palétuviers au Bénin. Donc cette année, nous avons planté 20 000 palétuviers pour compenser toute leur consommation carbone. Parce que c'est la seule chose que nous ne pouvons pas maîtriser dans notre activité. Mais notre engagement ne s'arrête pas à la compensation carbone de nos clients. Nous faisons aussi le tri sélectif. Depuis plus de 35 ans, nous avons pensé à l'intégration paysagère parce que tous nos mobilhomes, étant donné que nous sommes en plein cœur du massif de l'Estérel, sont exclusivement verts. Que nous avons planté il y a 35 ans quand nous avons construit Esterel Caravanil plus de 30 000 arbres et que chaque année nous replantons plus de 3 000 arbres et essences rares de notre région. Voilà. Merci. Je vous remercie, Aurore. Bravo, Aurore. Je vous félicite pour votre entreprise que l'on connaît depuis longtemps sur Saint-Raphaël, la chambre de commerce qui était la première aussi à vos côtés, Jean-Claude, pour ce salon. Est heureuse de vous parrainer un petit peu. Et puis j'espère que vous continuerez dans votre voie, parce que c'est la bonne voie, à mon sens. Bravo, je vous félicite. Merci.